Lorsqu'on rentre dans ma chambre pour une vue d'ensemble, on a cette vue-là. Donc ça donne directement sur mon lit. Juste ici, on a mon bar à ongles. Je ne vais pas vous faire de dessin. Vous voyez à quoi ça ressemble. On a les deux lampes, mon matériel et là encore plein de matériel. Et du coup, juste ici, j'ai mis une liane comme ça qui vient de chez Shane. Ensuite, on va venir se tourner à ce niveau-là. On va avoir ce ventilateur seulement. Il commence à faire chaud et du coup... Nous l'avons sorti, donc à la base, il n'y a rien ici, donc il est là seulement le soir. Ensuite, du coup, juste ici, on a un grand dressing qui vient de chez Leroy Merlin. On a ici les vêtements d'été. Ici, on a les jeans skinny, enfin skinny, ceux qui collent à la peau. Là-bas, on a tout ce qui est des joggings. Ici, les leggings. Ensuite, ici, on a les ceintures. Il y a des petites mitaines, des petits foulards, un petit peu tout. Et juste ici, on a tout ce qui est des petits t-shirts crop top. Et sur le banc, on a tous les petits produits ménagers. Ensuite, ici, on a la panière de linge. Ici, sur le bas, on a tous les vêtements de mon copain. Et moi, sur le dessus, pareil, on a tous mes petits vêtements. Du coup, de l'autre côté, on va avoir tout ce qui est les vêtements de mon copain, en fait. Tout simplement. Ensuite, juste ici, on a un grand miroir couleur or. Donc vous allez pouvoir le remarquer, dans ma chambre j'ai apporté beaucoup de touches or. Avant ce miroir était gris métallique, je l'avais eu à la foire fouille il me semble pour une quinzaine d'euros. Et avec mon copain nous l'avons en mon lit. Et du coup mon lit c'est quelque chose qui a beaucoup changé, qui a beaucoup évolué. Donc c'est le lit Brim de chez IKEA. Et avant j'avais une grande tête de lit que j'ai retirée et que j'ai vendue. Donc ici on a mon PC. Au niveau de la parure de lit et des deux coussins, ils viennent de chez B&M, anciennement Babou. Et le petit plaid, c'est ma maman qui me l'avait acheté, donc je ne sais pas d'où il vient. Au niveau du lit, du coup, on a l'encadrement. Et voilà ce qui a changé. On a peint avec mon copain les poignées de mon lit couleur or, du coup. Parce qu'on a plusieurs rappels de couleur or dans la chambre. Et je voulais vraiment apporter un petit côté en plus au lit qui est tout blanc, tout simple à la base. Ici, on a un petit tapis que j'ai eu chez B&M également. Il est trop beau, il est blanc, j'aime beaucoup la couleur. Du coup, ensuite, juste au-dessus du lit, on a ce petit cadre que j'ai eu chez B&M aussi, je crois. Et où dedans, j'ai mis des petites photos comme ça. Mais voilà, c'est des petites images que j'aimais beaucoup. Ensuite, sur la table de nuit de mon copain, donc là, on est de son côté. On a une jolie lampe de chevet qu'on peut retrouver de l'autre côté, qui viennent de chez Atmosfera. Elles sont absolument incroyables. Et comme vous pouvez le voir, les petites ampoules, elles sont super sympas. Bon, le seul bémol, c'est que ça prend vachement la poussière. Et elles vont parfaitement. J'aime vraiment beaucoup. C'est dans un style très minimaliste. Et là, on a la base de charge de mon copain. Et du coup, lorsqu'on recule, on va passer de mon côté. Bon, il n'y a rien de bien différent, bien foufou. Mais du coup, moi, j'ai une petite boîte de mouchoirs qui vient de chez Action. Voilà, la même petite lampe. Et ici, j'ai une petite bombe. Et là, j'ai trois photos comme ça avec mon chéri, tout simplement. Ici, j'ai mis un petit panier comme ça qui vient de chez Action avec mes petites claquettes, mon eau et mon pyjama. Et juste derrière la fenêtre, j'ai un petit cadre que j'avais fait moi-même. Du coup, ce sont les pattes de mon chat. Oui, ce jour-là, je lui avais mis de la peinture sur les pattes de mon chat. Voilà, son surnom c'est Nenouille et on l'a fait le 21 novembre 2021. Du coup, pour la partie du lit, ça se trouve donc vraiment, j'aime beaucoup ce petit style. Du coup, ici on a ma fenêtre qui est ouverte parce qu'il commence à faire chaud. Au niveau des rideaux, c'est toujours les mêmes. À ce niveau-là, on a tout ça. Du coup, on va commencer par cet endroit-là. Ici, on a les deux petites gamelles de mon chat. Ici, j'ai une petite bougie qui est en train de brûler, donc c'est au Monoï. Ça rappelle l'odeur de l'été. Donc voilà, c'est une bougie charou. Ceux qui ne connaisseraient pas, c'est une petite région pas très loin de chez moi. Et ici, j'ai un truc que j'avais acheté chez La Foire Fouille ou Jiffy, je ne sais plus. Et dedans, j'ai mis tous mes petits parfums Adopt parce que je suis littéralement devenue addict à ces parfums. Ensuite, juste ici, on a ma télé fixée au mur avec une chaîne très nulle. Sur le dessus, on a un petit plateau qui rappelle les petits côtés en or comme ça que j'ai eu chez Action il y a très longtemps. Une petite tirelire. Et ma télécommande qui, on dirait, a énormément de poussière sur la vidéo. Or, ce n'est pas le... Ah,
secours. Je vous assure que c'est pas le cas dans la réalité. Enfin, du coup, si, elle est sale. Du coup, mais... ici, on a deux tours Alex. Donc, l'une sur l'autre. Ici, on a tous les petits bijoux et un petit kit comme ça pour la couture. Ici, on a du bordel pour les cheveux, un peu pour les yeux. Ici, tous les masques et les gommages en peau comme ça, des savons, des cotons réutilisables, des bains de bouche et de son. Tous mes masques en tissu. C'est vrai que c'est un peu le bazar. C'est vraiment le seul meuble qui me restait à faire. Ici, on a tout plein de produits de rechange. Ici, on a tous les produits pour les cheveux. Ensuite, juste ici, on va avoir tout ce qui est des collants, les maillots de bain. Ensuite, ici, on a tout ce qui est des petites culottes et les chaussettes. Tout ce qui est soutien-gorge, brassière. Ici, on a de la nourriture pour mes chats. Toutes mes coques, d'ailleurs. Je vais bientôt vendre mon iPhone 12 Pro Max. Seulement, voilà la tonne de coques que j'ai. Va falloir que je m'en débarrasse. Et pour finir, ne me demandez pas pourquoi ça n'a pas trop d'ordre dans ce meuble. Mais ici, on a toutes mes protections hygiéniques. C'est très important d'en avoir. Vous voyez, je suis très... je prends mes précautions. Ensuite, du coup, à ce niveau-là, on a ma coiffeuse qui, à la base, est un bureau de chez Ikea. Je vous avais fait une petite vidéo, d'ailleurs, ce jour-là. Je vous ai vlogué lorsque j'allais acheter le bureau, que j'aime beaucoup. Au niveau du tapis, il vient de chez BM. Il est incroyablement doux. Il est blanc. La petite chaise, elle vient de chez Sclum. Ici on a une petite pelote de laine. À la base c'était un poids de porte, mais bon écoutez, j'en ai trouvé un mieux. Du coup je le mets en déco parce que je trouve ça très sympathique. Et ici on a un petit panier encore qui vient de chez Action, avec une fausse plante qui vient également de chez Action. Ensuite sur ma chaise j'ai mis deux petits coussins comme ça qui vient de chez BM aussi. Du coup pour le dessus du bureau, le miroir vient de chez Action, donc il est blanc basique comme ça. Ici j'ai une petite tour que j'ai eu chez Action aussi récemment. Donc par contre elle ne tourne pas, mais dessus j'ai mis tous mes produits. Je suis absolument ravie de cet achat. Voilà, il y a tous mes gels nettoyants, mes crèmes de jour, mes crèmes de nuit, mes sérums. J'ai même mon petit déodorant, des petites omicellaires, tout ça. Je suis très contente de ce petit achat. Ici, on a une petite cloche comme ça que j'ai aussi eue chez B&M. Elle est absolument trop belle, vraiment. C'est des fleurs séchées qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, ici, j'ai un petit... comment on appelle ça ? À petit pose coton-tige. Donc voilà, je trouvais ça très sympathique. Ça, je l'ai eu sur Shein. Et à la base, c'est un range couvert. Autant vous dire que j'ai mis mes petits pinceaux. Donc là, on a les plus gros. Là, pour le masque et pour les fards à paupières. Et là, des plus petits, tout simplement. Et là, on a un miroir qui... Coucou. qui, à la base, était rose gold. Et pareil, on a fait de la peinture. Avec mon chéri, on a peint plein de trucs. D'ailleurs, je suis trop contente vraiment du rendu. J'aime beaucoup. Je suis très, très, très contente. Donc voilà, il venait de chez BM à la base. Et nous l'avons repeint en couleur or. Et à la base, il était rose gold, si vous vous souvenez bien. Et s'il y en a parmi vous qui me suivent et qui avaient vu mes anciens room tours. On va très vite fait passer au tiroir. À ce niveau-là, on a tous les beauty blenders. Ici, on a tous les rouges à lèvres gloss. Tous les baumes à lèvres. Ici, on a des crèmes, des masques. Ici, on a tout ce qui est ce que je mets habituellement en pince, des cotons. Ici, on a mon spray fixateur, toutes mes paires de fossiles. Et là, en fait, on a ma brosse pour les ongles, on a mon petit bandeau, ma brosse pour le visage et mon petit roll-on que j'ai eu chez Action, d'ailleurs. Il est trop bien. Ensuite, ici, il y a une petite porte. Ici, j'ai tous les papiers très importants pour ma santé. Ici, j'ai un petit pot et des petites enveloppes. Et en dessous, j'ai du scotch, des petites réserves, des petites bougies. Et sur le tiroir, juste au-dessus, on va avoir tout ce qui est plutôt make-up. Ici, on a toutes les poudres, poudre libre, poudre matifiante, les blushs, les highlighters. Ici, j'ai tout ce qui va être contouring, anti-cerne et blush du coup en stick. Là, ici, on a tout ce qui est des mascaras, juste ici. Vous voyez, j'ai acheté des petits compartiments comme ça chez Action. Et là, on a tout ce qui est pour les sourcils et dont un recourbe cils. Pas très maquillage et j'y ai fait le tri, je suis bien contente. Du coup j'ai qu'un petit tiroir pour ça. Désolée pour la luminosité. Disons que la nuit commence à tomber doucement mais sûrement. Ici on a une petite plante que vous... Enfin une petite. Et pour finir ici on a un petit cadre qui vient de chez Action que j'ai laissé avec l'étiquette qu'il y avait dedans à la base. Ouh, j'ai failli casser l'ampoule. Non mais ça va pas ou quoi? Bon, je vous pose un petit peu, j'espère vraiment que ce petit room tour vous aura plu. J'ai filmé ça en fin de soirée pour le coup. Je suis très contente du rendu, j'ai rangé ma chambre aujourd'hui, on avait peint tout ça hier pour vous dire.
Et aujourd'hui, on avait fait les magasins pour chercher les petites touches or. J'ai fait Maison du Monde, Castorama et tout. J'ai pas trouvé grand-chose, donc je suis un petit peu déçue. Je vais regarder sur le site Atmosfera, H&M Home et tout ça. D'ailleurs, je cherche des pampas avec un petit vase et tout, mais j'arrive pas à trouver les tailles et tout. Donc, j'essaierai de vous en parler sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir m'y rejoindre. Je suis passée en compte privé. En tout cas, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît parce que finalement, c'est un petit peu comme un vlog. Je vous ai pris comme ça, j'avais envie de vous filmer. Je me suis pas forcée à faire cette vidéo, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Et d'ailleurs, j'espère que ça va vous plaire. Je vous parlerai de plein de nouveaux projets, de plein de nouvelles choses très bientôt. Et n'oubliez pas que dans moins de 2 mois, j'emménage avec mon copain. Donc vous pouvez activer votre compte à rebours et bien sûr, il y aura plein de vidéos qui sortiront. Je vous fais à tous de très 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 gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.